Dès lors, qu'est-ce que tu... C'est une aberration. En général, les femmes font attention à l'image qu'elles laissent. Elles prennent des somnifères, mais elles se tirent pas une balle dans la tête. C'est pas un peu sexiste comme jugement ? Non. C'est l'expérience. C'est étrange que les enfants n'aient pas entendu de coup de feu, non ? Mon fils a déjà dormi pendant une tornade. Une demande de divorce. Oh, c'est peut-être pour ça qu'elle était... dépressive. Enfin, quoi qu'il en soit, emballe le corps. Il y avait des traces d'effraction sur la porte d'entrée. Tu le sais bien pourtant. La clé est toujours cachée au même endroit. Ce paillasson, t'avais pas besoin de m'appeler à 3h du matin. Arrête. 3h du matin. T'as oublié le bon vieux temps quand tu jouais devant les filles le numéro du grand Bobby Corbin. Allô? Bonjour, vous êtes ? Je suis Heather Tierney, la sœur de Jen. Lieutenant Malvaux, voici le lieutenant Roche. Et voici mon mari. Bonjour. Doug. Où sont-ils, Laure et Trevor ? Est-ce que Bart a été... Ne vous inquiétez pas, les enfants vont bien, ils sont en face, chez la voisine. Où est Bart ? Il arrive, Madame Tierney. Je sais que c'est difficile pour vous, mais... Est-ce que ces derniers temps, votre sœur était dépressive ? Est-ce qu'elle avait un comportement anormal ? Mais qu'est-ce que vous insinuez ? Eh bien, apparemment... Mais non ! Ma sœur ne se serait jamais suicidée, elle aimait trop ses enfants, c'est impossible. D'accord. Oh, Bart ! Où sont les garçons ? Ils sont avec Kelly. Monsieur Corbin ? Docteur Corbin. Veuillez m'excuser, docteur Corbin. Je suis le lieutenant Roche, j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce... Écoutez, je veux d'abord voir mes enfants. Je reviendrai plus tard, d'accord ? On va aller chez votre oncle Bobby. D'accord. Je veux rester chez tante Heather. Bon, très bien. D'accord, on va s'arranger. Allez. Je veux pas y aller. Écoute, là, papa a plein de choses à faire, d'accord ? Allez, viens avec moi. C'est bien, mon ange. Tu vas avec ton frère. Au revoir, papa. Au revoir. À tout de suite. Oh, je peux même pas imaginer ce qui peut se passer dans sa tête, c'est terrible. Trouver sa mère comme ça. Toute mort soudaine ou violente est d'abord traitée comme un homicide, puis par élimination comme un suicide, ensuite comme un accident, et enfin comme une mort naturelle. C'est la procédure. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait pu faire ça. Je comprends pas. Tout allait bien. Docteur Corbin, vous vouliez divorcer. Oui. Mais c'était pour sauver mon mariage. Où étiez-vous la nuit dernière ? Je suis sorti boire un verre et je me suis dit qu'il valait mieux que je rentre pas. Alors, je suis resté chez mon frère. Nous sommes obligés de vérifier. Il faudrait que vous vous soumettiez à un prélèvement ADN et à une analyse de résidus de tir. Écoutez, lieutenant, j'ai 2 enfants. Alors, si vous pouviez faire en sorte que... Vous voyez ? Que voulez-vous dire ? J'ai pas envie de voir le nom de ma femme traîner dans la boue. Écoute, Bart, t'es pas obligé de forcer comme ça. Tu devrais te reposer. Je me disais... Il faut que j'aille chez le coiffeur pour l'enterrement. Bart, je crois que t'es sous le choc. Tout ça, c'est ta faute. Ma faute ? C'est toi qui me l'as présenté. Je m'en fiche que ce soit dans un centre commercial. Tout ce que je veux, c'est un endroit correct. Merci, Bob.
D'accord. Je vous rappelle plus tard. Elle s'appelle Jen. Vas-y. Attends. Avant, dis-moi ce que tu sais sur elle. Elle a lâché ses études de puéricultrice. Elle fait des cocktails d'enfer. Et elle vient de se faire larguer par un idiot. Bah c'est parfait. Elle a besoin de réconfort. Regarde le pro. C'est mon frère. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être aussi direct, mais vous êtes l'une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées. C'est la première fois que je parle. Maintenant, qui je dois tuer pour avoir un cocktail? Alors voilà un jeune homme qui va s'installer en tant que dentiste et qui se présente ici en m'offrant mes fleurs préférées. Je me renseigne toujours avant de rencontrer quelqu'un. C'est Jen qui m'a dit que vous les adoriez. Ah, je n'ai qu'un mot, Jen. Je suis impressionnée. Mais il y a tellement de dentistes dans la région. Ce serait pas mieux d'ouvrir un cabinet en ville et de se faire petit à petit une clientèle? Elle a raison. Les grands esprits se rencontrent. Je travaille dans un cabinet qui est en plein centre-ville avec deux autres collègues. Et j'ai déjà quelques bons clients aisés qui seraient, je pense, prêts à me suivre n'importe où. Très bien, on a assez parlé de travail. J'ai entendu dire que vous aimiez pêcher. C'est ma passion. J'ai passé tous mes étés au bord du lac Lanier. Vous devez avoir plein d'histoires à raconter. Bon, pas mal d'histoires, en effet. Je ne sais pas si j'ai eu autant de poissons. Oui, c'est pour. Et que diriez-vous si nous allions tous les deux pêcher la truite ce week-end? On verra si elle morde. Eh bien, j'en serais ravi. Très bien. Eh bien, voilà. Je vous assure, monsieur Barber, je suis un homme très bien, avec un brillant avenir, et qui nourrit les meilleures intentions pour votre fille. T'es vraiment sûr d'avoir les meilleures intentions? Je suis enceinte. Je croyais que tu prenais... Oui, je l'apprends, je t'assure. Je sais pas ce qui s'est passé. Bart, j'ai envie d'avoir ce bébé. Et toi? Je voulais d'abord qu'on se marie. Je suis d'accord avec toi. Alors, il n'y a rien qui nous en empêche? D'accord. Bonjour, ma femme. Jane, tu es magnifique. Wow. Merci pour la la. Ah, oui. Bon, attends, papa, et regarde, moi aussi, je vais le faire. Bravo, vous êtes très doués tous les deux. Attendez, attendez, on fait une pause. Tout le monde prend un verre. C'est le moment de porter un toast. Encore un? Très bien. À la famille, à notre famille, qui accueille un gendre et un beau-frère génial, et bientôt un magnifique bébé. T'as déjà bu combien de verres? Tais-toi et trinque. Il y a autre chose que je voudrais dire. Si tu brises le cœur de ma sœur, je te préviens, t'auras affaire à moi. Entendu. Tu m'embrasses. Ils sont adorables. Tu sais que je t'aime. Regardez-moi ça, c'est un endroit formidable. Et voilà. Bienvenue au cabinet dentaire Corbin. Je suis fier de toi, docteur Corbin. Et c'est rien. Attendez de voir à l'intérieur. Ah. Bonjour, docteur. Et voici Dara Prentice, mon assistante. C'est elle qui fait marcher les affaires. Oh, il exagère. Ravi de vous rencontrer. Oh, Jen, c'est incroyable. Vous êtes resplendissante. Comment vous sentez-vous? Eh bien, si le bébé me donne encore un coup de pied, je le ferai sortir plus tôt que prévu. On aurait de la place pour monsieur Barber cette semaine? Je pense, oui. De quoi? Écoute, peut-être que tu t'y connais pour vendre des voitures, mais t'as encore beaucoup à apprendre pour prendre soin de tes dents. Allez, rentrez tout le monde. Attends, je vais vous montrer le dernier cri en matière de technologie dentaire. Il est mignon. Regardez-le. Oui, c'est le plus beau bébé que j'ai jamais vu. Il est magnifique. Mon fils. Taylor Corbin. Oh. Va voir ta tante. Viens dans mes bras, mon ange. Je le tiens. Je
Ma sœur ne s'est pas suicidée. Écoutez, je compatis à votre douleur. Je suis vraiment désolée, mais je dois être franche avec vous. À ce stade de l'enquête, rien ne prouve qu'il s'agisse d'un meurtre. Mais il n'y avait aucun mot, aucune lettre d'adieu. Vous trouvez pas ça étrange? Il ne laisse pas toujours une lettre d'adieu, vous savez. Le docteur Corbin a dit qu'il ne voulait pas que le nom de sa femme soit traîné dans la boue. Pourquoi il a dit ça? J'en sais rien. Ma sœur pensait qu'il avait une liaison. Elle n'en était pas sûre? Tout ce que je peux dire, c'est que, après avoir eu son premier enfant, Jen était... fragile? C'était plus comme avant. Elle avait changé. Comment était-elle après la naissance du deuxième bébé, Trevor? Après avoir eu Trevor, Jen n'allait pas très bien. Elle avait perdu du poids et... Alors, elle était encore plus fragile. Écoutez, je dois aller chercher les enfants pour déjeuner. Oui, bien sûr. Merci de m'avoir consacré un peu de votre temps. Mon instinct me dit qu'il y a un truc louche. Oh, il n'y a que les preuves qui comptent. T'inquiète pas, t'auras ton lot d'affaires compliquées, alors réjouis-toi quand elles sont simples. Mais enfin, tu crois pas que... Malvaux, elle n'a aucune blessure défensive. Ce sont ses empreintes sur l'arme et la rigidité cadavérique prouve que le corps n'a pas été déplacé. D'accord? Ah, docteur Corbin, merci d'être venu. C'est normal. Mon avocat m'a déconseillé de venir, mais... je n'ai rien à cacher, alors je suis là. Très bien, je vous accompagne au labo. Ensuite, si ça ne vous dérange pas, je voudrais vous poser quelques questions. Pas de problème, je prendrai un café noir. Non. Non, je n'ai pas de liaison avec Dara. Nous sommes très liés, oui, mais c'est parce que nous travaillons ensemble. Pour vous dire la vérité, il n'y avait pas que... le côté paranoïaque de ma femme qui m'inquiétait. Je pense qu'elle avait d'autres problèmes psychologiques qui n'ont pas été diagnostiqués. Je vais être franc, lieutenant. Ce n'était pas moi qui avais une liaison. Oui, maman, je voulais encore te dire merci pour l'ordinateur. Je pensais pas que ça me plairait, mais je m'y suis mise et c'est super. Eh bien, je suis contente de te l'avoir acheté, chérie. C'est parfait, merci. Oui, c'est très gentil. Et puis comme ça, je m'occupe les soirs où Bart ne revient pas avant minuit. Chérie, Bart travaille très dur pour être un peu plus compréhensive. Oh, venez. Heather est avec moi. Bon, écoute, mon ange, je suis désolée, mais il faut vraiment que je te laisse. Je te rappellerai. Très joli. D'accord. Je t'aime, Chris, et j'attends avec impatience le jour où nous pourrons enfin être réunis. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Une liaison par Internet? Et vous l'avez déjà rencontré, ce Chris? Non. Et vous savez si leur relation se passait bien ou s'il y avait des problèmes? Je n'en ai aucune idée. Vous croyez que cette histoire aurait quelque chose à voir avec sa mort? Eh bien, mon boulot est d'enquêter, alors j'enquête. Je me sens responsable de ce qui est arrivé. Vous savez, quand ma femme a eu les enfants, elle a complètement changé, elle est devenue une autre personne. Je pensais qu'en demandant le divorce, ce serait un déclencheur, qu'elle réagirait. Que je retrouverais la femme que j'ai aimée. J'avais tort. Excusez-moi, tout ça est tellement... Non, je comprends très bien. Je vous remercie d'être venu, docteur Corbin. Ouais, merci. On a les résultats des examens négatifs. Bien, tu t'y connais en informatique? Tu m'as dit que tu te débrouillerais avec le mot de passe. T'es déjà allé sur des sites de rencontres? Comment tu t'es présenté? Jeune homme sportif. Et séduisant. Merci beaucoup. Internet. Le pire comme le meilleur. Pourquoi elle en est devenue accro? Qu'est-ce qu'elle cherchait? J'aime pas ça, Jen. Je te connais, tu peux pas t'en empêcher, tu t'emballes toujours trop vite. Oui, comme pour mon mariage. Arrête, je plaisante pas. Écoute, Jen, imagine...
Ce Chris, moi j'en sais rien, c'est peut-être un dangereux criminel ou un repris de justice. Il s'occupe de jardin, il vit à Saint-Louis. De jardin d'enfants? Non, je te parle de plantes. Il a une pépinière, il adore la nature. C'est un homme charmant et très drôle, et il me respecte enfin comme je le mérite. Il pense que je suis une bonne mère. Et c'est vrai. Mais Jen, tu n'as même pas rencontré cet homme. J'essaie de calculer combien il me faudra d'argent pour vivre quand j'aurai quitté Bart. Ce sera pas facile. Je veux que les enfants ne manquent de rien. Jen, tu sais que tu as déjà une belle maison et tout ce qu'il te faut pour les enfants. Toujours ton côté optimiste. Tu crois que ce que tu veux voir. Il faut que je me trouve un travail à plein temps. Je m'en sortirai pas avec la crèche. Promets-moi, s'il te plaît, que tu vas pas faire de bêtises avec ce Chris. Il a oublié notre anniversaire de mariage. Je n'oublierai jamais un anniversaire. Tu mérites qu'on pense à toi tous les jours. Tu es sûre? Il ne s'agit pas que de moi, il y a les enfants aussi. J'ai envie d'être avec toi, Chris, mais il faut que je sache si tu es prêt. Jen, tu connais les règles, pas de coup de fil personnel pendant les heures de travail. Liliane, je passe pas de coup de fil, j'envoie un message. Ah. Ah. Oh, Malvo. Je pensais que t'aurais pu trouver ce mot de passe. Il doit y avoir un problème avec le disque dur. Ça arrive souvent avec ce modèle. Ben voyons. S'il vous plaît! Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour. Kelly Como, vous vous rappelez? Oui, bien sûr, bonjour. Ah. Comment vont les enfants? Eh bien, il faudra du temps. La nuit où Jen... Enfin, vous savez quand ça s'est passé. Mon mari et moi avons entendu un 4x4. C'était peut-être celui de Bart. Je pense que ça devait être entre 2h et 3h du matin. Entendu ou vu? On était couchés, on l'a entendu arriver. Et il est reparti environ 15 minutes après. Vous êtes sûr que c'était un 4x4? Oui, le moteur fait un drôle de bruit. Il claque. Le moteur claque? Oui, c'est ça. Merci. Oh, non, c'est normal. Je vous en prie. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce mystérieux Chris. L'équipe technique pourra nous dire ce qu'il y a dans cet ordinateur. Non, pour elle, c'est totalement justifié. Jen est persuadée que Bart a une liaison avec Dara. Attention, je vais t'attraper. Attendez. Vous vous rappelez le mot du jour? Les convenances, vous entendez? Les convenances. Ça veut dire on ne crie pas et on ne s'énerve pas. Hein? Tu devrais peut-être essayer des mots plus simples. Oui, je vais y réfléchir. Tiens, ton sandwich préféré. Régale-toi. Merci. Et ce Chris, tu l'as déjà vu? Il est comment, cet homme? Maman, c'est une relation par Internet. Ils s'envoient des messages. Jen n'a jamais vu ce type. Quoi? Ils sont amoureux? Ils ne se sont jamais rencontrés? Je sais, c'est dingue, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère simplement qu'elle va se ressaisir et que ça finira par lui passer. Le docteur Kane va vendre le cabinet. Il y a de grandes chances qu'il me le propose. Si je fais bonne impression, tu devrais mettre la robe noire que j'adore. Je vais pas sortir ce soir. Je veux divorcer. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais que je suis pas heureuse et tu t'en moques complètement. Tu te vantes d'être mariée. Mais au fond, tu ne supportes pas. Jen. Regarde tout ce que nous avons réussi à faire. Tu parles comme si on était associés dans une entreprise. Jen. J'ai besoin de toi. Je t'aime. Arrête ce petit jeu, c'est fini! D'accord. À se donner une dernière chance. Très bien. On attendra l'anniversaire de Trevor. Je vais me coucher. Le divorce. Et voilà.
sans prévenir, froidement. Elle me sort ça comme ça. J'ai besoin que tu m'aides. Heather, tu nous connais mieux que personne. Tu penses que je suis le seul responsable de tout ce qui arrive ? Écoute, Bart, je ne vis pas avec vous tous les jours, j'en sais rien. Eh bien, je vais te le dire. Elle est sur Internet tous les soirs, d'accord ? Elle est obsédée par Dara. Et je crois que... Je crois qu'elle fait une dépression. Je crois que c'est ça. Tu me le dirais, toi, s'il y avait un autre homme, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Et toi, tu me le dirais s'il y avait une autre femme ? J'arrive pas à croire que tu me demandes ça. J'essaie seulement de sauver ma famille. Je te remercie de m'aider, maman. J'étais d'accord avant de savoir que tu aurais autant d'affaires. C'est seulement quelques trucs qui vont me permettre de redémarrer après le divorce. Voilà. Je sais que Bart vérifie ce que tu dépenses. Comment t'as fait pour acheter tout ça sans qu'il soit au courant ? J'ai réussi à avoir une carte de crédit. Il n'a pas besoin de le savoir. Oh, Jen, est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec ton ami sur Internet, Chris ? C'est Heather qui t'a dit ça ? Oh, c'est pas vrai. Ah ben je vois. Alors personne n'est de mon côté dans cette famille. Le mariage n'est pas toujours facile. Nous aussi, nous avons nos moments difficiles, mais... Nous faisons des efforts. C'est un engagement. Ça veut dire quelque chose pour nous. Nous avons dit à Jen d'essayer de sauver son couple. Maintenant, évidemment, c'est différent. Que savez-vous sur la relation que votre fille avait sur Internet ? Ce n'est pas un moment facile, mais je vois la lumière au bout du tunnel. Et toi, Chris, tu la vois aussi ? Chris, tu es toujours là ? Il s'est déconnecté. Tu la quittes pas des yeux. Tu te concentres et tu tapes comme je te l'ai dit. Allez. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Tu la lances trop fort, j'y arrive pas à l'attraper. Non, je la lance pas trop fort et je veux pas entendre que tu y arrives pas. C'est vrai, papa. Allez, lance-la-moi. Allez. C'est bon, t'es prêt ? Non, je veux pas. Bonjour, docteur Corbin. Vous avez une minute ? C'est pas vraiment le moment. Je crois qu'on a fini. Désolé. J'essayais de reprendre un semblant de vie normale. Oui, je comprends. J'ai fait saisir l'ordinateur de votre femme pour analyse. D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Où étais-tu, Chris ? Tu m'as manqué. Tes jolis messages m'ont manqué. J'étais occupée. C'est tout ce que t'as à dire ? Pourquoi es-tu si distant tout à coup ? Est-ce que ma sœur avait raison ? T'es un repris de justice, un criminel ? Qui es-tu ? Je ne suis rien de tout ça. Je n'existe pas, il n'y a pas de Chris. Je m'appelle Marion, Marion Barnes. Pourquoi vous ne m'avez pas dit dès le début que Chris était une femme ? Lieutenant, que diriez-vous si votre mari vous quittait pour un homme ? D'accord. Comment avez-vous découvert que Chris était en réalité Marion ? Chris, je te déteste, je déteste les mensonges ! Je
suis vraiment désolée, je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ce que tu m'as raconté? Tu vis vraiment à Saint-Louis? Qui es-tu? Non, c'est le seul mensonge. Et je mentais pas quand je te disais que je t'aimais. J'ai besoin de te voir, face à face. J'en sais rien. Jen, on va être en retard. C'est l'anniversaire de ton père aujourd'hui. Tu peux lâcher ça quelques heures? Qu'est-ce qui va pas? Rien. Je vais me préparer. Maman? Bien sûr. Pas de problème, on a plein de glaces. On en apporte, d'accord. Elle a oublié les glaces. J'en ai pour une minute. Merci pour ces mots réconfortants, Chris. Tu as raison, quand c'est fini, c'est fini. Il faut simplement que j'aie le courage de le faire. Allez, vas-y, papy, on mange le gâteau. Avant, papy doit faire un vœu. Non, attendez, on mangera le gâteau après. Oui, je dois faire un vœu. Fais un vœu, papy. Une seconde. Attendez, voilà, c'est bon, oui. Maintenant, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ah, bravo! C'est un dîner d'anniversaire. Je peux savoir ce qu'il y a? Quelqu'un peut me répondre? Papa a pris le téléphone de maman. Demande à ta fille. C'est un peu compliqué. C'est très simple. Jen a une liaison. Il s'appelle Chris. Quoi? Les enfants, on y va. Non, je veux rester, je veux du gâteau avec des glaces. Pourquoi est-ce que dans cette famille, je suis toujours le dernier à être au courant? Alors, c'est qui? Mettons, j'y vais. Tu ferais mieux de me le dire, je finirai par le savoir. Arrête. Tu couches avec lui? De toute façon, je le saurai. Je t'interdis de faire ça ici. Ne me parle pas comme ça, monte dans la voiture! T'es complètement saoul. Coupe le gâteau, Max. Coupe le gâteau. Désolé, je tenais à te le dire. C'était très gênant pour tout le monde, surtout pour l'anniversaire de papy. Bart, Jen dit que tu l'as frappé. Dans la voiture, en revenant, elle dit que tu lui as donné un coup de poing. Mais c'est n'importe quoi. C'est complètement faux, franchement, tu peux pas croire ça. Je sais plus quoi penser. Je l'aurais frappé pendant qu'elle conduisait. Avec mes enfants dans la voiture.
Écoute, elle est en train de devenir folle. Elle a besoin d'aide et je m'inquiète beaucoup pour elle. Elle est ici maintenant, avec les enfants. Et tout le monde est... Tout le monde est extrêmement choqué. Très bien. Elle me trompe et c'est moi le méchant, c'est ça ? Je crois que le mieux, ce serait d'attendre un peu, jusqu'à ce que les choses se calment. Tu es d'accord ? Je te rappelle demain. D'accord. S'il te plaît, Heather, ne me dis pas que tu le crois. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Je suis épuisée, Jen. Je sais. Allons nous coucher. Tu veux bien ? Jen. Je sais que je suis en partie responsable de ce qui nous arrive. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est une lettre. Je ne suis pas très doué pour parler de mes sentiments, alors j'ai préféré t'écrire. J'ai un client, c'est un type super et c'est le meilleur thérapeute de couple de la région. Et je me suis dit, j'en sais rien, peut-être que on pourrait lui parler. Je crois qu'il est trop tard. Quoi ? Tu penses qu'il est trop tard ? Alors, tu veux vraiment détruire tout ce que nous avons construit ensemble ? Écoute, Bart. Je pense que notre histoire est finie. D'accord. Mais on va faire ça à ma manière. Quand je t'ai rencontré, tu étais seul et abandonné. Et quand je te quitterai, tu seras seul et abandonné. Jen ? Marion ? Oui, est-ce que Chris est là ? Il est magnifique, c'est vrai. Vous avez fait un très bon choix. Excusez-moi un instant. Bart, tu ne vas pas faire tous les numéros qui sont dans le portable de Jen. On parie ? Écoute, j'ai pensé à tout. Tu peux vivre avec ma sœur et moi, on élèvera tes enfants et mes nièces ensemble. Tu mérites d'avoir quelqu'un à tes côtés qui s'occupe de toi. Je ne suis pas lesbienne. Tu sais que c'est très rare de pouvoir trouver quelqu'un qui t'aime sincèrement. Mais pourquoi t'as menti en te faisant passer pour quelqu'un d'autre ? Je venais de rompre avec mon ami, je me sentais seule. Je savais pas que j'allais te rencontrer. Et je savais pas que je tomberais amoureuse de toi. Au début, c'était juste pour m'amuser. C'est ce que tu fais ? T'aimes t'amuser avec les gens ? Non, je suis fatiguée de jouer. Et dans ce domaine, mon ex était une experte. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle aimait le danger. Elle s'amusait avec des flingues. Elle voulait me pointer une arme sur la tête en menaçant de tirer quand on faisait l'amour. Je suis désolée, je sais que c'est complètement dingue. C'est pas ce que j'aime faire. Jen, je suis pas comme ça. C'est elle qui faisait ça. Il faut que j'y aille. D'accord, quand est-ce que je vais te revoir ? Retourne pas avec lui, je t'en supplie. Ça peut pas se finir comme ça. Jen !
Bonjour. Ça y est, je l'ai réparé. Il était dans un sale état. Vous avez réussi à entrer dans le disque dur et y retrouver les messages? Ouais, la plupart. Pourquoi vous l'avez abîmé comme ça? Ça ne vous regarde pas. Il y avait pas mal de messages d'un certain Chris, mais il date un peu. Les plus récents, il y en a des centaines, viennent de Marion Barnes. Barnes? Merci. Si tu cherches mon nouveau téléphone, il n'est pas là. J'ai trouvé dans la poche de ton pantalon un ticket de parking qui vient d'Alabama. Et alors? Pourquoi t'es allé là-bas? Pour aller voir mon garagiste. C'est le seul en qui j'ai confiance pour mes voitures. Et puis aller en Alabama n'est pas un crime. T'y es allé avec Dara? Mais de quoi tu me parles? Réponds à ma question. Et toi, si tu me parlais de Marion Barnes? Je t'avais dit que je finirais par savoir qui c'était. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes les filles maintenant? Non, Bart. Je suis la seule à ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Pourquoi t'es allée en Alabama? Ça suffit avec ton interrogatoire! C'est toi qui es une liaison avec une femme. Tu te rends compte? C'est une ville conservatrice ici. T'imagines les conséquences que ça va avoir sur ma réputation, sur mes affaires? Tu vas arrêter de m'humilier, c'est terminé. Je garde tout. Les enfants, la maison. Je t'ai devancé. C'est pas toi qui demande le divorce. C'est moi. Je veux que le cercueil soit ouvert. Maman, je t'en prie. Quoi? Et pourquoi pas? Maintenant, ils savent très bien comment présenter un corps. Je pense que ça doit être ton père, vas-y. C'était le lieutenant Roche. Son corps a été rendu à Bart et il a... Il a quoi? Il l'a fait incinérer. Mais non! Quoi? Comment il a pu faire ça? C'est pas ce que Jane voulait? Non, il n'avait pas le droit. Comment tu as pu faire ça? Comment tu as osé faire ça? Heather, calme-toi, c'est ce qu'elle voulait. Écoutez, c'est la vérité. Je suis bien placé pour le savoir, j'étais son mari. Et nous, sa famille? L'essentiel, c'est de respecter les dernières volontés de quelqu'un que nous aimions tous. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. C'est une terrible épreuve pour vous. Je suis sincèrement désolée de ce qui est arrivé. Je vous présente mes condoléances. Allez, viens. Est-ce que ça va? Allons-y. Vous l'avez laissé détruire l'épreuve? Non, Heather, il y a eu une autopsie, elle n'a rien révélé de concluant. Eh bien, j'espère que vous allez enquêter sur Bart, parce que il a essayé d'écraser ma sœur. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'au moins un témoin l'a vu? Pourquoi vous nous dites ça maintenant? Parce que je n'ai pas cru Jane quand elle me l'a dit, mais maintenant, je suis sûre qu'elle avait raison. Je lui ai parlé de Dara. Je sentais son odeur sur sa chemise, je connais son parfum. Ça y est, ça recommence. On s'est disputé dans l'allée devant le garage. Et comment il a fait pour te rouler sur le pied? Quoi, tu me crois pas? Non, j'ai pas dit ça. J'étais derrière la voiture. Il m'a dit de me pousser et il a reculé. Je sais plus si j'ai eu le temps de bouger. Tu as appelé la police? Non. Pourquoi?
Toi aussi, tu me prends pour une folle, c'est ça? Heather, il nous faut des preuves. Les éléments que nous avons ne sont pas suffisants pour penser que le docteur Corbin a quelque chose à voir avec la mort de votre sœur. Est-ce que vous avez un autre suspect? Vous parlez de Chris? Vous ne croyez pas que ça nous aiderait d'en savoir un peu plus sur cette histoire? J'essayais de protéger ma sœur et franchement, je pense que ça ne vous mènera à rien. Eh bien, vous pourriez peut-être nous laisser en juger. Alors, vous avez l'intention d'interroger Chris? Oui, nous allons le faire. Très bien. Excusez-moi. Bonjour, je peux vous aider? Vous cherchez des fleurs? Non, en fait, c'est vous que je cherche. Marion Barnes? Est-ce que c'est votre 4x4? Oui, si c'est pour les amendes, je les conteste, j'irai au tribunal. Je suis là pour Madame Corbin. Je voudrais vous parler de la manière dont elle est morte. Une balle dans la tête. J'essaie de comprendre pourquoi elle aurait voulu se tuer. Elle se serait suicidée? Peut-être qu'elle a eu peur quand j'ai insisté en lui demandant de venir vivre avec moi. C'est vrai que nous avons eu des moments un peu difficiles. Oh oui, peut-être parce que vous lui avez menti en lui disant que vous étiez un homme. Chris, c'est ça. Vous pourriez me dire où vous étiez la nuit du 3? Attendez, vous croyez comment... Où étiez-vous? Que... Ici. Est-ce que quelqu'un peut le confirmer? Vous n'êtes pas dans votre juridiction à Saint-Louis. Bonjour, bonjour, mes condoléances. Oui, merci. Bonjour, bébé. Je suis tout cœur avec vous. Merci. Voici Taylor. Je vous présente un de mes fils, Trevor. Bonjour, Trevor. Ravi de te connaître. On peut se serrer la main? Je suis désolé. Merci. Ma sœur aimait tous les enfants qu'elle gardait à la crèche. Et ça me brise le cœur de savoir qu'elle ne veillera plus sur eux comme elle le faisait tous les jours. Je pense particulièrement à vous, Taylor et Trevor. Vous étiez ce qu'elle avait de plus cher au monde. Et elle vous aimait plus que tout. J'espère que vous garderez toujours au fond de votre cœur l'amour de votre maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devrait pas tarder maintenant. Bon, t'es prêt? Pour toute la voiture. Oh, il est clair. Ah, la voilà. S'il vous plaît, lieutenant Roche. Ici, lieutenant. S'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Les conclusions préliminaires de l'enquête laissent à penser que Madame Corbin s'est donnée volontairement la mort. Mais le dossier n'est pas clos. À moins que de nouveaux éléments apparaissent, la thèse du suicide devrait être officiellement confirmée dans quelques jours. Bien, ce sera tout. Merci. Tu t'en charges? Lieutenant Roche? Oui? C'est un meurtre et vous le savez. Non, nous n'en savons rien. Mais je ne l'ai pas quitté des yeux pendant la cérémonie. Et il m'évitait, il ne voulait pas me regarder. Écoutez, Heather, j'essaie d'être patiente avec vous, je vous assure, mais n'allez pas trop loin. Vous n'avez pas de preuves, alors s'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. Merci. Centrale, j'ai besoin de vérifier. Heather, je t'en prie, entre. J'étais en train de regarder la télé. Où sont les enfants? Ils font la sieste. Et où est Bobby? Il est sorti. Est-ce que tu as tué ma sœur? T'as besoin qu'on t'aide. Bart, je sais que Jane ne s'est pas suicidée. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est bien ça. Je connaissais ma sœur. Il n'y avait pas de Chris. Chris, c'est une femme. Ta sœur avait une liaison avec une femme, tu le savais? Voici ses messages.
Le nom de sa maîtresse, c'est Marion Barnes. Tu vois, tu sais pas qui était vraiment ta sœur. Et quel genre de fille c'était. Et tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré. Liliane ? Bonjour. Est-ce que ça va ? Non. J'ai parlé à ma cousine, elle est en ville pour affaires. Je lui ai dit pour l'enterrement et tout ce qui s'était passé. Elle était à l'école dentaire avec Bart. Et elle dit qu'il avait une petite amie à l'époque, c'était sérieux. Elle aussi s'est suicidée. Elle s'est tirée une balle dans la tête. Cette fille s'appelait Dolly Hearne. Et qui était-elle ? Elle était en première année d'école dentaire. Dès qu'elle a rencontré Bart, c'est devenu très vite sérieux entre eux. Comme avec Jen. Dites-moi ce qui est arrivé. Eh bien, c'était à l'université de Géorgie dans les années 80. Les étudiants en dentaire devaient s'exercer entre eux. Elle et Bart travaillaient en binôme. Qui est-ce que tu dois tuer pour passer ton épreuve pratique ? Je te remercie de m'aider. Je suis qu'en troisième année, alors te mets pas la pression. Tu sais, je me souviens de ma première année. Je trouvais personne pour m'exercer. Je frappais aux portes. Je suppliais les vieilles dames. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de venir ? Le plaisir d'être avec toi. D'accord. Ouvre la bouche. Ce dîner était vraiment génial. Tu parles. Hamburger et des frites. D'accord. Ta compagnie était vraiment géniale. Tes colocataires sont là ? Ah, oui, malheureusement. Et chez toi ? Ah. Malheureusement. Dolly, pourquoi on n'est que toutes les deux à faire la déco ? Tu crois pas qu'Angela pourrait nous aider ? Angela est à la bibliothèque, elle a un examen demain. Ah, d'accord, alors elle est pardonnée. Qu'est-ce que tu penses de Bart ? Il ressemble à Billy Idol. En plus classe. Billy Idol ? Oh, ça va, c'est bon. En tout cas, Tabitha l'adore. Oh, forcément, elle lui donne des crevettes. Je l'aime beaucoup. Je croyais que tu voulais savoir ce que j'en pensais. Je t'écoute. Ouais, il est gentil. Mais t'emballes pas trop vite. Oh. T'es pas obligée de te marier tout de suite. Alors amuse-toi un peu. Oh, on n'arrête pas de s'amuser. Au fait, Dolly, je t'ai déjà dit que tu es l'une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Ça doit faire seulement une douzaine de fois. Il va falloir que je trouve autre chose, alors. Les gens se rendent pas compte. Si on veut faire une belle carrière, il vaut mieux soigner sa réputation. Et le seul moyen pour y arriver, c'est de faire les bons choix. C'est-à-dire d'avoir une bonne famille et une bonne épouse. Une bonne épouse ? Ouais. Ouais, bien sûr. Quelqu'un qui te soutient et qui te représente le mieux possible en société. C'est bon à savoir. J'ai intérêt à choisir le bon époux, moi aussi. Oh mince, je vais te laisser, il faut que j'aille au labo. À quelle heure tu dois y être ? 3h05, pourquoi ? J'aime savoir où tu es. Tu vas être en retard. Parler, il va encore cartonner, c'est le meilleur. Ouais, moi aussi. Clark. Comment ça va ? Tu
bosse sur les prothèses? Non, pas aujourd'hui, il faut que je rentre. D'accord. Alors à demain? Ouais, à 9h. Ça te va? Ça marche. À demain. Salut. Salut. Oh, d'où tu sors? Tu m'as fait peur. J'ai une livraison express pour Dollyhorn. Je suis pas très doué pour parler de mes sentiments, alors j'ai préféré t'écrire. Oh. Certaines choses sont importantes pour moi dans une relation. Comme la confiance. La confiance? C'est qui ce type? Celui que t'as embrassé. Quel type? Est-ce que tu me suis maintenant? Je t'ai dit que j'aimais savoir où tu étais. Eh bien, moi, je n'aime pas ça, d'accord? Je ne suis pas ta propriété. Ce garçon s'appelle Clark. On est ensemble en cours, comme avec Travis. Alors oui, je l'ai embrassé. C'est un crime? Je suis comme ça, je suis très sociable. On peut aussi dire que t'es une allumeuse. Tu sais quoi? J'ai besoin d'un peu d'air. Non. C'est pas toi qui me quitte. C'est moi qui te laisse tomber. T'as vraiment un gros problème, tu sais. Et tu ne seras jamais dentiste. Quelque chose entre nous. Oh, Dolly, faut que tu choisisses. Pourquoi la porte de derrière est ouverte? Tabitha? Tabitha? Elle est partie. Je crois qu'il n'y a rien qui manque. Bart est passé ici. Je le sens. C'est lui. Peut-être que ton chat est parti tout seul. Je te dis que c'est Bart qui l'a enlevé. Il a fait ça pour se venger parce que j'ai rompu avec lui. Est-ce que ça va aller? Ah oui, ce sont mes lentilles de contact. Oh. Je trouve que ça sent une drôle d'odeur. On dirait que ça sent la laque pour les cheveux. Oh, c'est Bart. Il est cinglé, il aurait pu me rendre aveugle. Hey. Je sais pas comment je vais faire, j'y vois presque rien. Dentaires. Elles ont disparu. Tout mon semestre repose là-dessus. Bart. Tu crois vraiment qu'il... Oui. Je vais prévenir la sécurité du campus. Et maintenant, il se passe quoi? Nous allons enquêter sur deux affaires de femmes qu'il a fréquentées mortes d'une balle dans la tête à 10 ans d'intervalle. Et pour lesquelles on a conclu un suicide. Mais vous n'arrêtez pas Bart? Si ça pouvait être aussi facile. Il faut d'abord que j'arrive à convaincre le comté de Richmond de rouvrir le dossier. Je vous tiendrai au courant dès que j'ai du nouveau. Et combien de temps ça va prendre? Aussi longtemps qu'il le faudra, on est d'accord? Oui, on est d'accord, lieutenant. Quoi? Si on coince Corbin, ce sera grâce à elle, et tu le sais. Alors que nous attendons les conclusions de l'enquête sur le décès de Jennifer Corbin, la police se concentre sur la mort mystérieuse dans les années 80 dans le comté de Richmond d'une étudiante à l'école dentaire, Dollyhorn, qui était l'ancienne petite amie du docteur Bart Corbin. Bart? Il parle de Dollyhorn à la télévision. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. Je crois qu'ils veulent rouvrir l'enquête, savoir comment tu l'as connue, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. J'en sais rien. Lieutenant Roche. Lieutenant Seyd. Bart veut quitter l'État et il veut emmener les enfants avec lui. Il faut que vous l'en empêchiez. Malheureusement, il peut emmener les enfants où il veut. On continue à chercher. Je vous tiens au courant. J'espérais qu'avec tous les points communs qui existent entre ces deux affaires, vous pourriez au moins envisager de rouvrir l'enquête d'Dollyhorn ici à Augusta. Ce n'est pas si simple. Dans cette affaire, nous ne disposons d'aucune preuve matérielle.
L'arme a été déplacée par un de mes hommes pour des raisons de sécurité. On n'a pas pu analyser la scène du crime. Je peux au moins jeter un coup d'œil sur ce que vous avez ? Alors ? C'est bon, vous pouvez y aller. Bart ? Tu crois qu'on va pouvoir se payer ? On va se débrouiller, on y arrivera. Lara Prentice. Tu es mon petit ange gardien. Tu seras parti combien de temps ? 2 semaines, à peu près. Les enfants ont vraiment besoin de se changer les idées. Tu vas me manquer. Salut, Bart. Oui, elle est là, mais elle a pas envie de te parler. Pourquoi elle m'accuse de toutes ces choses? Je comprends pas. Bart, arrête d'appeler. Je suis pressée, je dois sortir. Alors, au revoir. Merci. Salut, c'est moi. J'imagine que tu dois être en cours. Je vais pas pouvoir venir te chercher pour la fête ce soir. Salut, Dolly. Dolly ? Salut, c'est moi. J'imagine que tu t'es encore endormie devant la télé. Je vais pas pouvoir venir te chercher pour la fête ce soir. Je suis vraiment désolé. Je t'aime. J'ai vérifié avec votre expert pour les traces de sang. Regardez ça. Voici la photographie que vous avez faite de la scène du crime et celle de ma reconstitution. Sur la première, on voit que le sang a été projeté au-dessus de sa tête à gauche. Et dans ma reconstitution, il a été projeté à droite. Si elle s'est tuée dans cette position, les projections auraient dû se retrouver à droite. Vous voulez dire que son corps a été déplacé après sa mort ? Exactement. Vous m'avez dit que vous vouliez de nouvelles preuves pour rouvrir l'enquête. Voilà. Vous les avez. On aura besoin de plus d'éléments que ça. D'accord. Et pourquoi on ne reconvoquerait pas les témoins que vous aviez interrogés ? Ça remonte à plusieurs années. Shérif, c'est une course contre la montre. Il faut essayer. T'es sûr que c'est une bonne idée ? Ah oui. C'est trop dur pour les enfants de rester ici. Il vaut mieux s'en aller. Est-ce que je quoi ? Continue. Non, rien. Merci d'être venu, docteur Bradshaw. Vous ne m'avez pas laissé le choix, lieutenant. Ouh ! Encore un tour ? L'avion décolle. Ouh ! Plus vite ! Où est-elle ? À l'intérieur. Bart voulait tout régenter. Il avait ce que j'appelle un ego fragile. Qu'entendez-vous par là, docteur ? Il était obsédé par les apparences. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour présenter ce qu'il appelait une bonne image. Vous le considériez comme un ami ? Non. Il n'avait pas vraiment d'amis. C'est drôle, on pourrait penser qu'il en avait, mais non. Je crois que j'avais de la peine pour lui. Taylor ! Alors, tu viens, faut qu'on parte. Je trouve pas ma deuxième chaussure. Tu l'as rangée où ? C'est pas grave, viens.
Tu mettras celle-là. Parlez-nous de sa vie sentimentale. Je sais que... il était sorti avec une fille, Shelley Mansfield. Elle était en troisième année. Il était complètement fou d'elle, mais après, elle l'a jeté comme un vulgaire déchet. Il s'est senti humilié et il a dit qu'il ne laisserait plus jamais une femme le traiter comme ça. Après ça, il est sorti avec des filles qu'il pouvait contrôler. Mais il s'est trompé avec Dolly. Comment a réagi Bart quand Dolly a rompu avec lui ? Il faisait bonne figure. La plupart des gens pensaient qu'il était triste. Et d'après vous ? Je l'appelais le névrosé, c'était pour rire. Relax, calme-toi. Tu vas te trouver une autre première année qui va t'idolâtrer. Comment tu peux faire confiance à cette garce ? J'accorde un peu d'attention à une pauvre fille qui est seule, qui n'est rien. Et dès que j'ai le dos tourné, elle aguiche un abruti. Arrête, laisse tomber. C'est quoi ton problème ? Nous avons parlé ensemble de cette affaire il y a quelques années. Et à l'époque, vous n'avez pas jugé utile de me le dire. À ce moment-là, personne n'a jamais parlé de meurtre. Vous disiez que c'était un suicide. De quoi il parlait quand il disait qu'il faisait des choses un peu folles ? Quelques jours après sa rupture avec Dolly, il est venu chez moi. Il était vraiment bizarre. Il m'a dit qu'il l'avait attendu devant chez elle avec une arme. Vous pourriez le dire devant une cour ? Ouais. Bien. Allez, venez les garçons, on y va. Allez. Docteur Corbin ? On dirait qu'on arrive juste à temps. Le comté de Richmond a réouvert l'enquête sur la mort de Dolly Earn. En conséquence, vous avez été désigné comme témoin capital pour la mort de votre femme. Alors c'est ça, vos conclusions. L'enquête est en cours, Docteur Corbin. J'ai une ordonnance du juge qui vous interdit de vous éloigner à plus de 80 km du comté pendant les 7 prochains jours. Les services de l'enfance sont ici. Par décision du juge, vos enfants sont confiés à Monsieur et Madame Tierney. Attendez, mes neveux pourraient très bien rester chez moi. C'est une décision du juge, monsieur. Je suis désolée, Bobby, c'est pas contre toi. Allez, viens, Trevor. Trevor ? Tu sais, mon ange, que je t'aime très fort. Oui ? Très bien, on se voit bientôt. Allez. Allez, viens, Trevor. J'espère que t'es contente. Quand j'aurai lavé mon honneur, j'espère que je pourrai te pardonner. Tu es mon frère, tu m'as dit que tu étais innocent, et moi je te crois. Bonjour à tous. Voici les derniers éléments dans l'enquête sur le décès de Jennifer Corbin. Le revolver a été retrouvé près de Madame Corbin alors que l'autopsie a révélé que dès que le tronc cérébral a été sectionné, la victime ne pouvait plus tenir la crosse dans sa main. Cela implique qu'il est impossible que l'arme se trouve dans cette position si elle s'est suicidée. En conséquence, le légiste a conclu que la cause de la mort était un meurtre. Ah, ça y est, enfin. Non, ce n'est pas exact. Monsieur Corbin est simplement notre principal témoin. Et dans l'affaire Dolly Earn, j'arrive pas à le croire. Corbin est suspecté de meurtre ? Eh bien, le comté de Richmond ne fait pas partie de ma juridiction, alors je ne pourrai pas vous donner plus de détails, mais dans notre comté, je veux que les choses soient bien claires. Monsieur Corbin n'est pas un suspect. Garce. Actuellement, nous explorons différentes quoi pistes, mais pour les besoins de l'enquête, vous comprendrez pas un suspect que nous ne pouvons parce rien que c'est quoi un témoin capital à trouver. Monsieur Corbin, ne peut pas sortir du... Non, mais ça va pas. Wow, wow. Bart, qu'est-ce qui te prend? J'ai même pas encore terminé de la payer, cette télé. Bien. Je suis contente que vous soyez enfin décidé à me parler. Je pourrais vous poursuivre pour harcèlement. Monsieur Corbin, j'ai bien pris soin de préciser que vous n'étiez pas un suspect. Ne jouez pas ce petit jeu avec moi, lieutenant, vous êtes sûr de perdre. Je vous demande pardon. Et si vous croyez que je vais gober le rapport de votre légiste, vous vous trompez. J'ai fait médecine. Je sais comment ça se passe. Vous êtes dentiste. Si vous avez le culot de m'inculper, je trouverai 10 experts qui jetteront votre rapport à la poubelle. Je suis intimement convaincu que Jane s'est suicidée.
et je me sens responsable de ce qui est arrivé. Mais si vous pensez que c'est un meurtre, vous feriez mieux de chercher du côté de Marion Barnes. Nous enquêtons sur elle. Pourquoi me harceler ? C'est vous qui êtes venu me voir. C'est ma maison. Rappelez-moi ce que vous faisiez la nuit où Jen a été assassinée. D'accord. Je vais vous répondre. Je suis sorti. J'étais dans un bar du centre-ville. Je suis parti vers 1h30. Je suis allé chez Bobby. J'ai passé pas mal de coups de fil, il y a donc des gens qui pourront le confirmer. D'accord. Mais Bobby a dit que vous n'étiez pas arrivé avant 3h du matin. Ça prend pas 1h30 pour aller du centre-ville jusqu'à la maison de Bobby. J'ai pas trouvé la deuxième clé. Je ne voulais pas le réveiller, alors j'ai dormi dans le 4x4. Quand j'ai eu trop froid, je l'ai appelé. Et vous ? Vous êtes resté dans votre voiture plus d'une heure. Une nuit où il a fait particulièrement froid. On avait même annoncé du verglas. J'avais le chauffage. Oh ! Mais vous venez de me dire que vous aviez eu froid. Continuez comme ça, lieutenant. Et je vous poursuis pour harcèlement. Et la prochaine fois que vous organisez une petite conférence de presse, n'oubliez pas, c'est Dr Corbin. Où sont les patients ? Tu es innocent, n'est-ce pas ? J'arrive pas à croire que tu me demandes ça. Je pensais que t'étais la seule sur qui je pouvais compter. Bart. Très bien. Va rejoindre la meute. Quand je pense que je croyais que t'étais de mon côté. Bien sûr, mais je m'inquiète pour toi. Alors crois-moi quand je te dis que j'ai rien fait de mal. Tout sera bientôt fini. Très bientôt, je te le promets. Alors, en attendant, si t'allais me faire un café. Jusqu'où tu vas aller ? Tu as retiré les enfants de ton assurance santé ? Dis-moi que c'est faux. Attends, comprends-moi, c'est elle qui a pris les enfants. Tu peux payer leur assurance. Bart. Heather, est-ce que tu vois des patients ici ? Tu sais que j'ai pris un mi-temps dans un autre cabinet pour payer les factures. On est en train de parler de tes enfants. Dara, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être avec Bart. Merci beaucoup. Tu vois ce que t'as fait ? Moi, j'ai rien fait du tout. Pour l'instant, on ne peut pas prouver qu'il était sur les lieux ou établir un lien avec l'arme du crime. Le procureur peut demander au juge de prolonger l'interdiction de sortie du comté ? Non, il n'y a aucune chance. Alors Bart peut partir alors qu'il a tué 2 personnes. C'est comme ça. Le système judiciaire n'est pas parfait. Ça l'était là. Mon père a tué ma mère. Mais comment tu le sais, mon cœur ? Tu as vu ce qui s'est passé ? Non, je l'ai pas vu, mais j'en suis sûre. Il la traitait toujours de menteuse. Il était toujours méchant avec elle. Merci, mon garçon. Merci, t'es très courageux. Heather, je ferai de mon mieux, je vous le promets. Bonjour. Vous pensiez pas que j'allais manquer la fête ? Je me suis dit que ce serait une bonne idée si j'apportais les cadeaux moi-même de la part de papa et maman. Papa, papa ! Oh, joyeux anniversaire, j'ai pas oublié. Écoute, Taylor ? Je voulais juste que vous sachiez que je vous aime très fort tous les deux. Joyeux anniversaire. Papa, tu restes pas avec nous à la fête ? Trevor. Viens. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Va jouer. J'y vais.
T'as quelque chose? Je suis en train de localiser tous les appels que Corbin a passés avec son portable. C'est un sacré boulot. Ce type est un accro du téléphone. La nuit où sa femme est morte, il n'a pas arrêté d'appeler. Eh ben voilà, bingo. On dirait que cette nuit-là, notre homme était tout près de sa maison, vers 2 heures du matin. Je sens le mandat d'arrêt. Où allez-vous? La prison du comté a besoin d'un nouveau dentiste. Barton Corbin? Oh, excusez-moi, docteur Corbin. Je vous arrête pour les meurtres de Jennifer Barber Corbin et de Dolly Hearn. Appelle mon avocat. Vous avez le droit de garder le silence. Dans le cas contraire, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de faire appel à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera désigné d'office. Ma famille et moi, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Attendez, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. C'est pas parce qu'il était sur les lieux qu'il l'a forcément tué. Le plus urgent, c'est de trouver un lien entre Bart et l'arme du crime. Et pour l'instant, nous ne savons toujours pas d'où elle vient. Mais vous n'avez rien, aucun indice? Si, les relevés téléphoniques et le ticket de parking dont vous nous avez parlé. Il était bien en Alabama quelques jours avant le meurtre. Bien sûr, je peux pas dire avec certitude ce qu'il faisait là-bas, mais je parie qu'il y est allé pour chercher le revolver. Le garagiste de Bart vit en Alabama. C'est le seul à qui il veut confier ses voitures. Il arrête pas de dire que ce type est un génie de la mécanique, il s'appelle Richard Wilson. Si ça peut vous aider. Je vais enquêter de ce côté-là. Merci. Wilson a quelques antécédents. Des petits délits pour la plupart. J'ai consulté les rapports de police en Alabama. Le revolver qui a tué Jennifer Corbin a été contrôlé à Troy. Comme par hasard, la ville où vit Richard Wilson. On a un lien entre lui et l'arme? Ils ont l'enregistrement d'un appel passé par un policier qui demandait des informations sur une arme trouvée dans un véhicule qui était en infraction. Mais ça ne dure que 20 secondes et la conversation est coupée avant qu'ils disent le nom du conducteur. Cela dit, Richard Wilson n'est pas censé le savoir. Exactement. Si nous allions en Alabama... Richard Wilson? Pourquoi? Lieutenant Malveaux et Roche. Nous aimerions vous parler de Bart Corbin. Il a une voiture de collection. Et un 4x4. Je lui répare ses voitures. Il semble qu'il soit venu récemment en Alabama. Il se serait pas arrêté par ici pour venir chercher un revolver? Je l'ai pas vu depuis cet été. Il m'a amené sa voiture pour que je lui remplace son carburateur. Vous pourriez le confirmer devant une cour? Je voudrais que vous écoutiez ça. Demande d'identification d'un revolver calibre 38, numéro de série 397676. Compris. Vous voulez savoir quel nom ils ont trouvé? Je vais vous le dire, le vôtre. Et c'est ce revolver qui a servi pour tuer Jennifer Corbin. Et juste une semaine avant, son mari est venu ici pour vous voir. Vous allez venir devant le tribunal, monsieur Wilson. Vous savez, le procureur que nous avons là-bas en Géorgie est quelqu'un de très intelligent. Vous serez très vite confondu. Il saura que vous avez menti. On appelle ça un parjure. Et vous ne pourrez pas revenir en Alabama. Tous les bons clients que vous avez dans cette ville seront obligés de trouver quelqu'un d'autre pour réparer leur tondeuse à gazon. Oui, bien sûr, c'est mon revolver. Vous savez, ici, c'est pas Beverly Hills. La moitié des habitants de cette ville a une arme. J'avais besoin de me défendre. Et puis je vais vous dire, si Marion Barnes avait essayé de me tuer aussi, je l'aurais utilisée. Alors vous pensez que je vais croire qu'elle est entrée par effraction dans votre maison et qu'elle a tué votre femme avec l'arme que vous avez achetée illégalement à Richard Wilson? Si je cherchais à tuer quelqu'un, que je rentrais dans sa maison, que je trouvais une arme sur les lieux que je peux utiliser au lieu de la mienne, dites-moi, quelle arme vous prendriez? Et puis, j'avais pas de résidus de poudre sur moi. Il suffit de bien laver ses mains et de changer de vêtements. Vous savez, j'ai eu une longue et très intéressante conversation avec Richard Wilson en revenant ici. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit plusieurs fois qu'il vous avait vendu cette arme. Il dirait n'importe quoi, il a un casier.
il sera appelé à comparaître comme témoin à charge. Et quand Richard Wilson sera devant le juge et les jurés, il dira tout ce qu'il sait. Je suis sûre qu'ils le croiront. Vous voyez, moi aussi je sais jouer à ce petit jeu. Je le connais très bien. Beaucoup mieux que vous. Vous allez tomber, Doc. Autant que vous le sachiez, le procureur va demander la peine de mort. Oui, allô ? Vous avez un appel en PCV, dit Dr. Bart Corbin. Tu voulais me voir ? Je suis là. Je t'accorde 5 minutes. Je veux pas la peine de mort. Tu crois que tu es en mesure de négocier? Je suis plus coupable pour les deux meurtres. Mais je veux une peine de réclusion à perpétuité. Tu nous as tous trompés. Charmant docteur. Mais aujourd'hui, tu me dégoûtes. Tu mérites de mourir. Je te connais, Heather. T'aimes pas les jeux de hasard. Tu as passé une semaine à Atlantic City et t'as même pas joué. Et ce procès va être très éprouvant. Ils vont passer au crible la vie de ta sœur. Il restera rien. Et il n'est pas certain qu'il me déclare coupable. Je te laisse jusqu'à demain pour essayer de convaincre le procureur. Si tu parles de cette conversation, je dirai tout. Tu peux coucher avec qui tu veux. Mais n'oublie pas. Il suffit qu'un seul juré soit avec moi. Ça va aller. Accusé, levez-vous. Barton Corbin, dans l'affaire qui concerne votre épouse Jennifer Monique Barber Corbin, reconnaissez-vous avoir commis un meurtre avec préméditation selon le chef d'inculpation retenu? Oui. Allez-vous également plaider coupable pour le meurtre de Dolly Hearn? Oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, le tribunal invite les familles des victimes à faire une déclaration si elles le souhaitent. Est-ce que les membres de la famille Hearn veulent prendre la parole? La non. Famille Barber? Je vous en prie, approchez-vous, nous vous écoutons. Tu m'as volé un être qui m'était cher et précieux. Tu l'as arraché à ma famille. Tu l'as arraché au monde. Tu ne mérites pas d'avoir une place dans la société.
Tu es un être sans humanité. Dieu te pardonnera peut-être, mais moi jamais. Et c'est au nom de ma famille que je parle. J'espère que tu brûleras en enfer. Les enfants, essayez de m'attraper.